Jérémy a travaillé tout l'été pour une petite entreprise de peinture à domicile. Il en a peint des portes, des fenêtres, des murs et des clôtures. C'est l'entreprise qui évaluait la durée des travaux. Elle payait Jérémy seulement pour le nombre d'heures évaluées au taux du salaire minimum, 11,25 $ l'heure. Mais les travaux duraient toujours plus longtemps que ce que l'entreprise avait prévu. Jérémy avait beau travailler d'arrache-pied, il ne terminait jamais à temps. Il a travaillé pendant 160 heures cet été, mais l'entreprise lui a payé seulement 110 heures. Il a donc été payé bien en dessous du salaire minimum. Est-ce légal? Non. Même si une entreprise vous paie à contrat, elle ne peut vous donner moins que le salaire minimum. Jérémy peut donc porter plainte à l'organisme qui surveille le marché du travail, la CNESST. Le fin mot de l'histoire, le salaire minimum, c'est vraiment un minimum.